En 2-3 temps, Open Stage vous propose de remonter les aiguilles de l'horloge musicale dans cette édition, histoire de valser sur des airs d'antan. Cavalier en main, redécouvrez le jazz manouche ou encore la valse musette, vous êtes cordialement invités. Jocelyn Cartier, un plaisir de vous rencontrer ce soir. Donc, vous allez vous produire avec vos musiciens là en live devant un public qui, je pense, assez averti et qui se prépare un petit peu pour vous écouter. Donc, quelle est l'émotion que vous voulez faire passer là et qu'est-ce que ça fait là de jouer ce soir? Je joue d'ailleurs avec des jeunes musiciens. Et ça a pris un peu de temps pour moi de m'adapter. Mais ce sont de très bons musiciens et c'est avec plaisir que je vais me produire aujourd'hui devant ce public. J'ai commencé très jeune et c'est un instrument que j'apprécie, que j'adore. Je trouve que c'est un instrument mystique, je ne sais pas pourquoi. Oui, d'accord. Mais vous savez pourquoi je suis populaire? Parce que je suis un des seuls à jouer. C'est bien rare en Maurice. Mais heureusement que je suis en train de former certains jeunes qui promettent. Hein. J'adore la valse musette et maintenant je me donne aussi au swing et un peu de jazz manouche. Je suis étonné de voir autant de talents à Maurice comparé à d'autres pays, mais il y a de très très bons musiciens à Maurice.
au niveau international. Ça fait 50 ans, on a commencé dans le même style, valse musette, et puis la musique a progressé, mais bon, nous on est resté quand même à ce style, voilà, musette, et donc les choses se passent très bien, chacun a son point de vue pas différent. Moi je suis d'une école un peu jazzy, donc je dois m'adapter à ce genre de style de musique. Mais comme je vous dis, j'ai commencé comme ça. Donc je ne brûle pas ce que j'ai adoré. Je pense que le public a évolué dans le bon sens. La musique de valse, musette et tout, ça a changé. Et je crois que le public est prêt à recevoir ce genre, d'accepter ce genre de changement. Maurice a beaucoup progressé, il a de très très bons musiciens. Et voilà, je crois qu'on va dans la bonne direction. Thank you.
Déjà, le collectif regroupe 25 artistes, et les vétérans et les plus jeunes. Donc, on a créé ce collectif justement pour avoir un partage déjà entre plusieurs musiciens et avoir une structure où les musiciens pourraient justement être emmenés au devant de la scène. Quand on parle de structure, on emmène une communication. Il y a quelqu'un qui s'occupe de la communication et du marketing de l'artiste. S'il y a quelqu'un qui s'occupe de la photographie, un groupe de vidéographes, il y a un artistic director, un graphic designer pour faire des présentations. Donc c'est vraiment une grosse équipe derrière chaque artiste. Justement, dans le collectif, on est à 25 artistes. Et dont j'ai 5 quartiers, que c'est Peter Ambar et Gérard Ravard, Edouard Cartier et Noël Malabar, qui emmènent un autre style de musique, un autre univers à ce collectif. Donc ils sont plus dans le jazz manouche et valse, musette, des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ici à Maurice, on n'a pas l'habitude de voir. Donc on a voulu explorer aussi ce style de musique et ces instruments très rares pour emmener quelque chose d'unique au collectif. Avec mon frère depuis très très longtemps, ça fait peut-être 40 ans, 45 ans, et on a toujours joué ensemble, et on était connus sous le nom des frères Cartier, ok. Mais il y avait Monsieur Roseland qui jouait avec nous, qui formait le trio Cartier, ok. Mais depuis, Monsieur Roseland est décédé, et maintenant nous avons Noël Malabar qui considère la remplacer.
Justin et moi, on a fait une longue carrière et on a joué toutes sortes de musiques. Vous voyez, le fait qu'on jouait dans certains hôtels, on avait affaire à des étrangers et qu'eux, ils demandaient qu'on joue leur musique. Ok, alors ils nous ont envoyé certaines partitions, ils nous ont envoyé certaines cassettes et CD et tout le reste qu'on a appris. Et maintenant, les gens étaient très étonnés de voir qu'on pouvait jouer leur musique ici chez nous. Et ça les faisait plaisir. Ils redemandaient à chaque fois.